Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais un petit peu mieux qu'hier. Je suis toujours bien prise de la gorge, mais c'est quand même beaucoup mieux. Je vais continuer tous mes petits remèdes de grand-mère pour me soigner un maximum. Voilà, mais ça va quand même relativement mieux. Aujourd'hui on est lundi 11 octobre. Là il est à peine 8h. Il est 7h48 exactement. Les jumelles viennent de partir, enfin viennent de partir, non. Elles sont parties, il était 7h35, parce que ce matin, Romane avait perdu ses clés. Ce matin, Romane, elle a un peu la tête à l'envers. Je pense qu'elle est très fatiguée de son week-end. Apparemment, ils se sont couchés très tard, levés très tôt. Du coup, hier, elle a beau avoir dormi à 20h30, ce matin, elle avait un peu la tête à l'envers. Du coup, elle avait paumé ses clés qui, au final, étaient dans sa poche de jogging. Bref. Du coup ils étaient un peu à la bourre ce matin, mais ils ont quand même pas raté leur bus, donc c'était le principal. Sarah, je l'ai préparée ce matin, puisque comme je vous l'ai dit dans le vlog d'hier, aujourd'hui c'est sa photo de classe, donc elle a mis son petit pull Simba avec écrit de mauvais poils là, qu'elle adore ce pull, et elle s'est fait, enfin je lui ai fait des petites couettes, elle m'a demandé des petites couettes, donc ça c'est fait. Mathieu est en train de lui imprimer des photos de champignons. Vous allez dire, hein? Tout simplement parce qu'en fait, samedi, on a été au lac. Pour ceux qui n'ont pas suivi le lac, pour ceux qui n'ont pas suivi le vlog, on a été se promener samedi. Et en fait, je crois qu'ils sont en train de regarder un peu dans la classe les différentes sortes de champignons. Et donc, du coup, la maîtresse, elle leur a dit, si vous voyez des champignons, vous les prenez en photo et vous les imprimez. Enfin, vous demandez à vos parents de les imprimer, comme ça, on regarde ce que c'est. Et donc du coup Sarah elle a cherché ses petits champignons, elle en a trouvé deux. Donc du coup Mathieu est en train de lui imprimer parce qu'on a complètement oublié hier de lui faire. Est-ce que ça y est, t'as tes champignons? Fais voir. Waouh, des beaux champignons. Tu vas pouvoir les montrer à ta maîtresse comme ça. T'es contente? Bah, non, tu peux les découper comme ça. Tu peux les laisser comme ça, c'est comme tu veux. Mais c'est bien aussi comme ça. Donc voilà, comme ça c'est fait. Et moi, du coup, je suis en train déjà de détendre mon linge. Enfin, du moins de détendre ce qui est déjà sec parce que bah, tout ne sèche pas d'un coup. La plupart du temps, on a du linge sec et puis le reste, il en reste un petit peu. Donc là, je suis en train de faire ça. Roxane, quant à elle, est toujours en train de dormir. Comme je vous l'ai dit hier, elle n'était pas en forme. Cette nuit, elle a plutôt bien dormi, mais elle est sous Doliprane. Donc, avec Monsieur Hibou, on a un peu triché. Oui, voilà. Enfin, on a un peu triché dans le sens où elle est malade, pas tant que ça, en fait. Ouais, voilà. Donc, mais je préférais la garder au chaud. Je pense qu'elle va rester au chaud jusqu'à mercredi. Elle retournera peut-être à l'école jeudi. On verra comment ça va se passer, je sais pas trop, parce que Roxane, vous savez que quand elle a des grosses rhinos, comme elle est en train de nous faire là, ça dure des plombes, genre on en a pour 15 jours, donc à mon avis j'en ai pour toute la semaine, mais bon, on verra. Bref, je continue de détendre mon linge et puis on se retrouve après. Est-ce que tu nous montres comment t'es jolie, au moins pour ta photo, Miss Crâneuse? Fais voir. Ouais. Fais-nous un beau sourire comme si tu étais sur la photo. Ouais. C'est trop joli, tu n'oublieras pas de mettre tes lunettes par contre. Oui, voilà. Ok, et du coup tes cheveux ils ont bien frisé avec les tresses. Fais voir. Chiu. Trop joli, hein. Pour une journée d'habitude, ça dure deux journées. De quoi? Bah pour mes cheveux d'habitude. Ah ouais, mais oui, mais là maman la triché, elle les avait un peu mouillés. Bon allez, je continue avec mon linge. Bon ben voilà, Sarah est partie à l'école, ça y est, tout va bien pour Sarah, elle est toujours super contente d'aller à l'école, donc ça c'est vraiment cool. Moi du coup, la vaisselle est en train de tourner, j'ai rangé la cuisine aussi, ma salle est pratiquement finie de ranger, il me reste juste 2-3 petits trucs là sur la table basse. Et sur mon meuble, parce que je vois qu'il y a des jouets, des vies là sur le meuble de l'aquarium, donc il me reste ça à ranger. Et je lancerai ma machine à laver tout à l'heure quand Roxane sera réveillée, parce que la mienne a fait un bruit pas possible quand elle sort. Donc du coup, si je la lance, c'est sûr que ça va me réveiller Roxane, et je préférerais qu'elle dorme et qu'elle se repose, parce que je dis toujours que quand on est malade, le meilleur des remèdes, c'est le repos. Donc du coup, je préfère qu'elle dorme. Voilà, j'ai toujours pas pris mes médicaments, enfin mes médicaments. J'ai toujours pas pris mon miel.
ni mon Béroca Boost là, du coup je vais aller le prendre. Le miel, alors j'y vais vraiment reculons, c'est un truc de malade. Je vais aller les prendre tout de suite, comme ça, ça sera fait. Je vais passer le balai, je ferai mon aspi demain. Souvent je fais ça quand Roxane elle est à la maison et qu'elle dort, je passe le balai, enfin c'est pas un balai balai en fait, un truc qui colle les poils, vous voyez ce que je veux dire, un balai exprès quoi. C'est un peu comme un Swiffer, mais c'est pas vraiment un Swiffer. Bref, je vais faire ça, comme ça j'ai pas besoin de sortir l'aspi, et encore une fois ça me réveille pas Roxane. Et voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de sortie. Je vais rester au chaud. Roxane va rester au chaud. On n'a pas de course à faire, on n'a pas de sortie à faire. On va rester à la maison. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça va être une journée tranquille. Donc, je le répète, tous ceux qui n'aiment pas me voir en pyjama ou tous ceux qui n'aiment pas me voir pas coiffée, pas apprêtée, machin, ben, ne regardez pas ce vlog. Parce que voilà, je serai en pyjama toute la journée. Voilà, ça sera comme ça. Allez, je vais continuer ce que j'ai à faire et aller prendre mon super miel. Que j'adore prendre, surtout dès le matin. Alors déjà que j'aime pas le miel, que tout le long de la journée ça m'écœure, mais alors là dès le matin je crois que ça va être encore pire. Mais bon, j'ai pas le choix, ça marche super bien. Franchement, le jour où vous avez une angine comme moi, parce que je pense que j'ai fait une belle angine, du moins que vous avez super mal ici, que vous avez carrément du mal à avaler, et ben vous faites des gargarismes, des gueulottes comme je dis à Mathieu, des gargarismes à l'eau tiède avec du sel dedans. Et en fait, vous le faites pendant 30 secondes, 5-6 fois par jour. En fait, ça va permettre de décoller toutes les glaires qu'il peut y avoir ici et qui fait que vous avez une angine. Donc ça, ça marche super bien. Vous prenez une cuillère à café de miel 3 à 4 fois par jour. Voilà. Et puis, un petit cocktail de vitamines. Moi, je prends du Béroca, mais... parce que voilà, j'ai que ça sous la main. Mais franchement, ça a super bien marché. Tous ces petits remèdes là de grand-mère, ça a super bien marché. Ah oui, gardez bien la gorge au chaud aussi. Comme j'avais fait hier, là, j'avais gardé l'écharpe toute la journée bien au chaud. Et franchement, j'ai pas eu besoin de médicaments, j'ai pas eu besoin de sirop et tout. Franchement, ça a super bien marché. Je suis trop contente. Voilà. Bon, allez, je vais prendre tous mes médicaments pas bons. Et puis continuer mon petit ménage. Torture, première torture de la journée faite. Bah, même le Béroca, j'aime pas ça. Je trouve que c'est pas bon. Alors que ma soeur, pour le coup, quand elle en prend, elle me dit, ah, pourtant, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est bon. Ah, moi, j'aime pas du tout. Blerk. Blerk. Pas bon du tout. Ah là là. Bon, ça, c'est fait. Allez, maintenant, je m'attaque à mon petit ménage. Bonjour, Roxane. Mademoiselle est réveillée. Mademoiselle s'est levée à 11h. Mademoiselle a fait un gros dodo. Donc mademoiselle a très soif. Oh ! Elle est très malade. On va la laisser boire. Ah ! Ça fait du bien ? Il y a des bébêtes? Oui. Où? Là. Ah, parce que t'as pas lavé les dents? Dans la plat. Fais voir. Ah là 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 là, faut chercher la brosse à dents. Elle est rouge. On va brosser les dents? Oui, je vais faire les bêtes. Comme ça on enlève les bêtes? Oui, et oui. On les met par terre. On les met par terre? Ah, vous entendez sa voix? Elle est comme sa mère, on a la voix qui se barre toutes les deux. On a la voix cassée? Oui. On est malade? Non, 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 non.
Non, 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 non. Si, si, si. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le moulin? Non, non. Meunier, tu dors. Ton moulin, pas chaud. Ton moulin va trop vite. Non, pas chanson. Pas chanson? Ah bon, pourquoi? Les pièces. Fais voir. Fais voir tes pièces. Ouais, vas-y. Bah, montre à la caméra. Waouh! C'est à qui les pièces? Papa. À papa? Oui. Et papa, il les a donné à qui les pièces? Roxane. Roxane, eh oui. Bon, on va se laver les dents? Non. Bah, t'as dit que t'avais des bébêtes? Oui. Alors, on y va? Allez. Bon, c'est un peu compliqué ce matin. Enfin, Roxane est sage, je peux pas dire. On l'entendait pas. On l'entendait pas. Bref, vous voyez bien, on l'entend pas là. Elle est calme. Mais le problème, c'est qu'elle ne veut rien faire toute seule. C'est-à-dire qu'elle joue, elle m'appelle. Maman, viens dans la chambre à Yaya. Parce que c'est la chambre de Sarah. Ce n'est pas la sienne, apparemment. Bref, je lui dis pourquoi faire? Pour jouer. Mais je dis, maman, elle a des choses à faire. Non, Roxane, elle joue pas toute seule. Donc elle veut pas jouer toute seule. Elle veut pas être au travail toute seule. Elle veut rien faire toute seule, voilà. Sauf que moi, il faut que je fasse chauffer des trucs, quoi. Et en plus, normalement, à midi, on devait manger les petits pois. Et Mathieu vient de m'appeler en me disant, est-ce que t'as fait chauffer les petits pois? Donc je lui dis, non, pas encore. Et il me dit, bah allez, fais pas chauffer, on va manger les restes. On va manger la flamme queue qui reste. Et puis, on va manger la fin du bœuf bourguignon. Et oui, et on mange avec quoi, le bœuf bourguignon? Bah avec des pâtes. Sauf que j'ai pas fait chauffer d'eau de pâtes, moi. Donc du coup, il faut que je fasse chauffer l'eau des pâtes. Voilà. Bon, j'espère que du coup, Sarah sera pas en retard. Parce que normalement, je fais chauffer l'eau avant qu'elle arrive, quoi. Mais bon, le chef, il m'a dit, non, t'inquiète, on sera pas en retard. Donc je fais chauffer l'eau. Hello, monsieur Hibou. Hello. On est flou, hein? Ouais, un peu. Tu sais que j'ai une mauvaise nouvelle? Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Ah là, il tient. Mais regarde. Ah, ça va, on rajoute pas, hein, s'il te plaît. Ça n'a pas tenu ton bricolage. Bon, bah, je referai. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas tenir. C'est très embêtant, hein. Du coup je tiens avec ma main derrière en fait. Ouais, c'est bien fait comme ça. Bon, du coup monsieur Hibou est rentré, vous avez vu, ah, à moins que ce non, soit il n'est pas là. Toi. Sarah aussi, Roxane, dès qu'elle est rentrée. Ya, dès qu'elle est rentrée. Ya, 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 ouah, il fait une surprise. Je sais toujours pas c'est quoi la surprise. Je vais demander à Sarah. Sarah, oui. C'était quoi ta surprise? Bah, c'était à manger. Ah, elle a fait la cuisine? Oui. Et voir. Ah, t'avais fait une surprise à Sarah? Oui. Oui. Et elle était contente, Sarah? Non. T'étais pas contente? Oui. Ah, et tu sais que depuis ce matin, elle t'appelle depuis qu'elle est levée. Bah oui, mais j'étais à l'école. Alors, ça a été la photo? Oui. Elle était une dame ou un monsieur? Un monsieur. Et il était gentil? Oui. Ah, vous avez fait que la photo individuelle ou il y avait la photo de classe aussi? Non, on a fait que la photo tout seul et on n'a pas eu de papier. On n'a pas eu de papier? Non. Non, bah non, ça tu vas l'avoir plus tard, ça. Ouais, je pense qu'on va l'avoir. Tu vas avoir ta photo avant les vacances. Il reste encore cette semaine et la semaine prochaine. Le papier, un papier où ça dit que la photo avec la photo de classe. Ah, d'accord. Oh, bah on verra ça. T'inquiète pas, ça va arriver. Donc voilà, tout le monde est rentré. Oui, Mathieu et Sarah sont rentrés. Et du coup, Mathieu m'a récupéré ça. Un petit meuble de salle de bain qui va aller sous mon meuble, sous ma vasque en fait, sous mon lavabo. Parce que nous on n'a pas de meuble de salle de bain. On n'en a jamais acheté parce que voilà, on n'a jamais acheté de meuble de salle de bain. Donc là j'avais mis des caissettes en fait pour ranger mes serviettes. Et de l'autre côté j'ai ma lessive et des serviettes aussi. Mais ça commence à m'énerver parce que c'est jamais bien rangé. Et en fait là on a un nouveau voisin qui est arrivé, qui est, je sais qui par rapport au lycée, c'est le proviseur adjoint qui est arrivé. Donc il est juste au-dessus de chez nous si je ne me trompe pas. Et en fait il fait le tri dans l'appart parce qu'il y avait anciennement au-dessus de nous c'était le cuistot. Et en fait lui il est parti et c'est le proviseur adjoint qui a pris l'appartement. Mais quand le cuistot est parti il a laissé des choses dans l'appartement. Mais le proviseur adjoint il s'en fout. Donc en fait il est en train de tout mettre dans le hall.
Mais moi, je récupère ce qui me plaît. Voilà. Et en fait, là, le meuble, il est pas du tout abîmé. Donc, je dis à Mathieu, récupère-moi-le. Parce que même s'il n'y a pas de porte, je m'en fous. Mais en fait, de toute façon, c'est un meuble sans porte. Voilà. Donc, du coup, je vais l'installer cet après-midi. Parce que bah, le meuble, franchement, il est tout propre. Ça serait bête de le jeter. Parce qu'il est, il est même pas abîmé. Il est même pas écaillé, ni quoi que ce soit. Donc, du coup, je pense que je vais l'installer cet après-midi. Comme ça, je vais bien ranger mes serviettes. Et ça fera moins bazar que ce qui est là, parce que là, ça me, je vais vous montrer, ça me, c'est pas que c'est pas rangé, je vais pas vous dire que c'est pas rangé, mais voilà, c'est pas, voilà, ça me convient pas spécialement. C'était bien là, ça m'aidait au rangement et tout ça, mais maintenant que j'ai trouvé un meuble gratuit, bah autant que je m'en serve quoi. Voilà, donc j'ai dit à Mathieu, tu peux me le récupérer dans le hall. Et donc c'est ce que Mathieu il a fait. Il m'a dit, oui, si tu veux, je te le récupère, quoi. Bah oui, on sait jamais, ça peut améliorer notre quotidien. Bah et au lieu de l'acheter, bah, oui, attends, en magasin ça vaut au moins 25 euros. Ouais, ouais, même sans porte, c'est sûr, c'est 25 oui, euros au moins. Oui. Donc si j'ai économisé 25 balles, bah moi ça me va. Voilà. Bon allez, on va manger. Oh là là, la voix, c'est de pire en pire. On va manger, j'ai mis l'eau des pâtes à chauffer. Mathieu il vient de mettre le bourguignon et le et la flamme coche à chauffer aussi, et puis et puis voilà quoi. Bah voilà, Sarah est repartie à l'école, Mathieu est reparti au boulot. Du coup là, pendant la pause repas, Sarah elle a joué avec son truc là, enfin son truc, non leur truc, mais en fait c'est Sarah qui pour l'instant joue avec parce que les filles sont pas là. Qu'on a trouvé hier à Emmaüs avec les planètes là, et du coup elle a pu comprendre que la planète tournait autour du soleil et qu'en même temps qu'elle tournait autour du soleil, elle tournait sur elle-même, ce qu'elle ne savait pas. Donc elle était super contente d'avoir appris ça et pensait tout simplement que ça tournait comme ça. Donc du coup on lui a expliqué avec Mathieu que si la planète ne tournait pas sur elle-même en même temps qu'elle tournait autour du soleil, ça serait toujours la même personne qui aurait le soleil. Et il y en a qu'on ne l'aurait jamais. Donc du coup, elle a compris ça, donc elle était super contente. Et puis elle a compris le système aussi de l'ellipse. Donc le fait que ce ne soit pas, que la Terre ne tourne pas basiquement en faisant un beau cercle. En fait, elle tourne plutôt en faisant un ovale autour du soleil, ce qu'on appelle une ellipse, voilà. Et donc du coup, elle comprend que quand c'est l'été, on est plus près du soleil, donc c'est pour ça qu'il fait plus chaud, et que comme c'est une forme d'ovale, quand on arrive sur l'hiver, on est beaucoup plus loin du soleil, et donc du coup, il fait plus froid, voilà. Donc là, elle a appris ça tout à l'heure, donc elle était super contente. Franchement, c'est super intéressant. Là, ce soir, avec Mathieu, on va essayer de voir, parce qu'apparemment, on peut lui montrer comment fonctionne une éclipse solaire et une éclipse lunaire. Donc faut qu'on regarde comment ils font pour leur montrer sur le planétarium. On va voir ça, mais franchement c'est hyper complet. Donc c'est super cool. Par contre, ils m'ont laissé le bazar quoi. Je n'ai plus qu'à ranger. Du coup là je vais faire mon petit meuble là, de salle de bain. On va voir si ça y va. J'ai hâte de voir. Allez, c'est parti, on s'y met. Petite salle de bain, j'ai juste le doudou à Roxane qui est là-haut, mais ça y est, mon meuble est installé, ça fait quand même beaucoup plus rangé. Du coup j'en ai profité pour ranger là, pour mettre ma bannette de linge ici et mon meuble juste là. Je fais attention parce que Roxane est au bain, elle en a profité, elle s'est dit attends maman elle est dans la salle de bain, je lui demande le bain tout de suite.
Voilà, donc comme ça, ma salle de bain, c'est fait. Maintenant, il faut que je range la dinette, là, qui m'ont sorti. Il faut que je range ça. Et puis, je pourrais passer la spie, cette fois, bien comme il faut, partout. Mais là, il faut déjà que je range tout ce bazar. Gros câlin, papa. Mmh. Je viens tout juste de la réveiller. Et Mathieu vient de rentrer. Donc, du coup, gros câlin, papa, c'est très important. Voilà. Donc on a récupéré tout le monde mis à part Romane parce que Romane le lundi elle finit à 17h. Donc nous on va prendre le goûter et Sarah m'a déjà dit j'ai beaucoup de devoirs. Viens on les fait pas. Si, obligatoirement. Ah non, moi je les fais pas. Si. Je suis obligée. Oui. En plus tu vas pas être contente. Pourquoi? On a des mots à prendre. Ah oh, c'est pas grave ça. Allez, on va prendre le goûter et après. On fait à manger. Pour non. Chauffer, hein? Je peux l'éteindre pour les poser là-bas. Oui. On va prendre le goûter, puis après, on fera les devoirs et après, j'irai prendre ma douche. On a fait la douche. Ah non, c'est l'inverse. Est-ce que tu vas y arriver? Quelle est la moitié de 2? La moitié de 4? La moitié de 6? La moitié de 8? Non, oui. La moitié de 10. La moitié de 12. La moitié de 14. La moitié de 16. La moitié. Mais non, mais là tu triches. On la retient dans l'ordre. Bon, alors je vais te le faire dans l'autre sens. Quel est le double de 7? Quelle est la moitié de 16? Quel est le double de 4? Quelle est la moitié de 18? Alors, aujourd'hui, on a des nouveaux mots à apprendre pour Sarah. On a ces petits mots-là. Donc là, je vais être un petit peu embêtante parce que je vais lui apprendre tout cela. Et en même temps, on va réviser les autres, histoire qu'elle n'oublie pas l'orthographe de chacun. Mais déjà, on va apprendre cela. Bon, qu'est-ce qu'on a lu? Alors, il était bien ce livre? Youpi! Il était bien? Youpi! Ça t'a plu? Oui! Ah, super! Ben voilà, il est déjà fini, Milly, tu vois, ça a été rapide. Hein. Elle a lu pendant 3 jours, elle a lu deux pages, et aujourd'hui, elle a tout fini. Voilà. C'est cool, au moins, tu vois, Milly, la page, t'es pour rien, tu l'as déjà lu. Donc, c'est ouais. Super. Puis, on pourra le relire encore avant Noël. Ouais. Oh, cool! Voilà, devoir fini, donc à la douche. C'est parti? Allez, go. Hop, j'ai fait ma petite douche aussi, je suis tranquille, comme ça c'est fait. Sarah aussi, Roxane a fait cet après-midi, les filles sont toujours à leur devoir. Donc du coup, moi je vais en profiter, comme tous les soirs maintenant, pour monter mon vlog, comme je vous le dis à chaque fois, comme ça je suis tranquille après, surtout que ce soir il y a l'amour est dans le pré, et que comme ça, clairement j'ai ma soirée, parce que l'amour est dans le pré, c'est ma petite émission quand même, voilà. Donc je vais faire ça, et je pense en même temps que mon petit Lulu, mon petit neveu, va m'appeler, parce que j'ai eu un message où c'était écrit Tata Marie, donc je pense que mon petit Lulu va m'appeler, donc je vais avoir de la compagnie en même temps que je vais monter mon vlog. Ça, c'est cool. Alors, Lulu, si tu passes par là, Tata a vu ton message. Je te fais plein de bisous, mon Lulu d'amour. Et à Cléa aussi, hein, parce que je sais que Cléa, tu regardes les vlogs. Alors, je te fais plein de bisous et plein de cœurs, mais je n'ai pas mon autre main. Alors, je te fais cœur, cœur, cœur. Là. Je vous fais plein de bisous. Bon, allez, j'arrête de parler et go. Je vais monter mon vlog. Et oui. T'as vu comment il tient bien ton écran depuis que je te l'ai réparé? Ah ouais, ouais, regarde. Trop bien même. Parce que juste je le tiens, c'est tout. Hein. Oh, allez. Oui, j'ai encore mis mes lunettes, tu pourrais me féliciter. Hein. C'est bien, bravo mon ami. T'as vu, je fais des efforts. C'est hein. Très bien, c'est très bien. Par contre, j'ai mal là. Alors, est-ce que c'est dû à mon angine? J'ai mal là. Bon, bref, c'est pas grave. Quelle heure se fait-il? 18h37. Le vlog est monté. Les filles sont toujours au devoir? Oui, c'est quasiment fini là. C'est long? Oui. Ils en avaient beaucoup? Oui. Mais ils ne se sont pas avancés? Bah si, mais c'est des trucs d'aujourd'hui. Oh, c'est chiant. Bah ouais. À chaque fois, elles n'ont pas le temps de profiter parce qu'il est super tard, quoi. En gros, nous, à 19h, on est à table. Là, il est 18h37.
Donc les devoirs sont toujours pas finis. Donc après, il faut que Roman et Raphaël fassent leur douche. Non, Raphaël s'est fait, je crois. Ah bon? Oui, elle a fini ses devoirs. Oui, elle a fini ses devoirs. Ah d'accord, je croyais que c'était les deux qui avaient fini. Non, il n'y a que Roman qui n'a pas fini ses devoirs. Ah ok, ok. Bon bah après, de toute façon, il restera les douches. Après, il faut manger. Et puis après, en gros, ils vont se coucher quoi. Bah, 20h30, 21h, ils sont au lit. Donc les soirées, c'est un peu hard. Mais je trouve que ça ralentit, tu sais, en début d'année, on disait tout le temps, oh là là, on est sur les... Là, là, oui, là, on arrive à prendre le rythme. Là, c'est un peu moins speed. Ouais. C'est juste très chargé pour les filles. Mais nous, je trouve que ça redescend un peu et ça fait du bien. Parce qu'il y a eu un moment où on ne savait plus où donner de la tête. J'arrivais même plus à savoir quand est-ce que j'allais monter mon vlog. On le montait à pas d'heure. Ouais. Enfin, voilà. Que là, on arrive quand même à pratiquement tous les soirs à avoir nos soirées. Donc, c'est quand même bien agréable. C'est une bonne chose. Voilà. Donc, je suis contente. J'ai monté mon vlog. J'ai eu Cléa et Lulu, comme je l'avais dit. Moi, je ne les ai pas eu. Et ben moi, oui, là, l'air. Lulu, il faudra que tu m'appelles. Tonton, il est triste. Donc, du coup, moi, je les ai eu quoi? 5 minutes, 5, ouais, 5 10 minutes. Oui, mais tu les as eu. Moi, je ne les ai pas eu. C'est pas normal. Après, ma soeur m'a laissé parce que bébé Sacha, il faisait... Il pleurait pas, mais il chantait. Il est en moto. Je pense qu'à mon avis, il avait faim. Et puis, il pleurait un peu parce qu'il sortait du bain. Ah. Voilà, bref, je vous raconte ma vie quoi. Du coup, nous on va aller faire à manger. Ce soir, c'est vite fait. Hein. C'est coquillettes avec de la sauce et jambon. Non, peut-être pas jambon. Si, jambon. Si, jambon, voilà, c'est repas vite fait, et bien soupe. Fait. Ah oui, soupe avant, voilà, c'est vite fait, bien ce qui fait. Est bon mais pour c'est la bien. Gorge des gens qui ont mal à la gorge. Non, mais franchement, là ça va. Oui, ça va mieux quand même. Oui, oui, non, là ça va presque normal. Ouais, presque. Presque. Je sens encore que c'est un peu léger là, mais ça va. Le seul problème là que j'ai, c'est les oreilles. Là, j'ai les oreilles qui sifflent. Ah, c'est plus gênant. Et j'ai l'impression, tu sais, que ça... Et là, j'aime pas parce que souvent, quand c'est comme ça, je pars en otite. Ouais. Mais on a déjà des gouttes, donc je vais pré-goûter. Tu vas pré-goûter? Ouais, je vais pré-goûter mes oreilles pour être sûre de ne pas avoir de bibi à les oreilles. Parce que je crois que l'otite vient après les dents. Non, otite, mal de dents et après autre maladie. Ouais. Mais je mets quand même l'otite avant le mal de dents. Mal de tête aussi, hein, mais les Mais les la migraine, ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. Hors catégorie. C'est pas, le problème de la migraine, c'est une journée quand tu arrives à l'oreiller, c'est une journée quoi. Oui, oui, tout à fait. L'otite, tu sais jamais quand ça s'arrête. C'est un peu compliqué. Des fois, tu as mal toute la journée, puis d'un seul coup, pouf, t'as plus mal. Mais c'est très bizarre. Donc je ne veux pas avoir d'otite, je touche du bois, donc je vais pré-goûter mes oreilles. Voilà. D'accord. Mais bon, c'est le problème quand t'as mal à la gorge, hein. C'est l'ORL de toute façon. C'est comme ça, voilà. Du coup, nous on va vous laisser là, comme ça on va aller faire à manger et puis s'occuper de la fin des devoirs, etc. etc. Ouais, tout à fait. Et puis demain on fait les courses, paraît-il. Non, mais c'est une question. Je sais pas, faut qu'on regarde ce qu'il nous reste pour savoir si on repousse une journée ou pas, je sais pas, franchement. Vous verrez si demain ça sera un vlog ou si c'est un retour de course. Parce que quand il y a le retour de course, souvent je ne vlog pas. Parce que en fait il y a beaucoup de vues sur le retour de course. Donc j'ai pas besoin de compenser avec un vlog, clairement. Et puis ça me repose un peu aussi. Ça te repose un peu. Oui. Donc du coup, si vous avez un vlog, c'est qu'on a reculé les courses d'une journée. Et si vous n'avez pas de vlog, vous aurez un retour de course. Mais de toute façon, il y aura quelque chose. Voilà. Donc je vous dis à demain, soit dans un vlog, soit dans un retour de course. Ça sera la surprise. De toute façon, si vous avez rien à 9h30, c'est que c'est à 13h. Quoi. Oui, c'est toujours comme ça sur la chaîne. C'est calé, c'est comme à la maison. C'est ça. En tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Voilà, et on laisse un petit pouce bleu et on met un petit commentaire. Voilà, c'est bien. Ah, je suis bon, hein, t'as vu, je suis bon en com. Hein. Tu vas devenir youtubeur. Oh non. Et après, tu feras danser avec les stars comme Michou. Bah, l'avantage, c'est que je dois danser à peu près aussi bien que lui. Enfin, bon, avant ça va. Avant qu'il ait appris, quoi. Ouais, là, ça va, voilà. Ça va. Là, il se démerde, ça va. Pour ceux qui ont suivi depuis tout le temps qui danse avec les stars, je suis plutôt au niveau de Kinvé, quoi. En termes de danse. Non, t'es plutôt niveau du commentateur de foot là. Ah oui, ça oui, tout à fait. Petit chauve, je sais là. Plus son nom, oui, mais oui, tout à fait. Si vous avez son nom, vous voyez, il a fait Danse avec les stars, c'était un petit rigolo. Ouais, à lunettes rondes. À lunettes rondes, il était commentateur de foot avant. Ouais, ouais. Son nom, mais bref, oui, il a fait Danse avec les stars, Mathieu, c'est son niveau. C'est à peu près ça, voilà. Bon allez, on arrête de raconter des bêtises, on vous fait tout plein de gros bisous, merci d'avoir regardé ce vlog, et puis on se dit à demain, ciao les amis.